Good morning, allez, Idan et sera aujourd'hui le Nishmat, Mourir Rabbi Shmuel, Ben Rabbi Shmuel Zalman, Avram Mordechai, Ben Yitzhak, Befani David, Ben Fortuna Mazal Fritna, Avram Norbert, Ben Fortuna Mazal Fritna, et Dvorah Batester. Si vous souhaitez vous aussi d'une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions Serat Ktuvot, Perek Zain, Mishnah Yud, Ve Eilu, Kofin, Shekofin, autour les Hotsi, Mukeshrin, ou Bal Polypus, Va Mekamet, Va Metsaref Nechoshet, Va Bursi, Ben Shayubam, Ad Shelo Nisou, ou ben Mishenis ou Noldu. Val Kulan, Amar Rabbi Meir, Af Alpi Jehitna Ima. Yecholai Shetomar, Sevura Ani. Soaiti Shani Yechola Lekabel, Varchav Eni Yechola Lekabel. Vachachami Momrim. Mekabelet I al Korcha, Chutz Mimuke Shrin. Mipene Shemema Katu. Maase Besidon de Bursi Echad Shemet. Vayolo Ach Bursi. אמרו חכמים, יכול להיות שתאמר, לאחיך הייתי יכולה לקבל, ולך איני יכולה לקבל. On commence à dans notre Mishnah à voir que maintenant, ואלו שכופין אותו להוציא, tels sont les moumines sur lesquels on va forcer les moumines, c'est-à-dire les défauts du mari, sur lesquels on va le forcer à divorcer sa femme et à lui donner la ktouva, c'est-à-dire c'est la femme elle réclame. Si la femme elle est prête à accepter, on va en général lui accorder, sauf un cas, on verra la fin de la Mishnah. Mais en tout cas, on va découvrir maintenant toutes sortes de problèmes. Maladie, on va dire, ou même de conduite même, où on va forcer le mari à divorcer et à donner la ktouva à sa femme. Premièrement, Moke Shrin, celui qui est frappé de Shrin, comme les ulcères, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle les ulcères en fait, c'est une sorte de lèpre plutôt, d'accord. Et donc là, si la femme elle dit « je ne peux pas vivre avec ça à la maison », on va le forcer à divorcer et à lui donner la ktouva. De même aussi au bal polypus. Alors, bal polypus, c'est compliqué. Je ne sais pas c'est quoi, ils rapportent tous, reach achotem, l'odeur du nez. Moi, je ne sais pas c'est quoi une odeur du nez, je sais qu'on respire avec le nez, qu'on renifle avec le nez. Je ne sais pas que le nez, il fait des odeurs, j'ai du mal à comprendre. Il y a un Tiferet Israël qui dit quelque chose d'original, il joue avec le mot polypus, ça vous rappelle quelque chose, polypus, polypoépilepsie. Il explique qu'on parle, c'est la maladie de Nirfé, de l'épilepsie, justement. Épilepsie. En yiddish, d'ainu cholinofel. Mekametz, c'est celui qui ramasse les crottes de chien. C'est un travail, vous allez me dire à quoi ça sert dans la vie. Ben, figurez-vous que pour travailler les peaux du tanneur, on utilise justement les matières fécales du chien. C'est même un mérite qu'on donne au chien, qu'en fait, grâce à. Parce qu'il n'a pas aboyé quand on est sorti d'Égypte. Alors qu'on utilisera. On l'utilisera dans. Il est rapporté dans la lacha, spécialement pour ça qu'il faut. Et à part ça aussi. Vea Metzaref Nechoshet. Alors Metzaref Nechoshet, littéralement, c'est celui qui fait du. Qui soude le cuivre. Mais en réalité, le Rachid explique, c'est un mineur. Il va extraire de la mine dans la terre. Et je ne sais pas pourquoi. Il dégage des odeurs nauséabondes profondément, ces gens-là. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être le fait d'être en transpirant constamment dans la terre. Peut-être qu'à part ça, ils n'avaient pas de douche tous les jours pour se laver non plus, je sais, je suppose. De même aussi, Vea Boursi. Le Boursi, c'est le Bourseki. On l'appelle aussi, c'est le tanneur, justement. Il est là, c'est des odeurs très fortes. Et dans tous ces cas de figure, la Mishnah le précise. Ben Shehayu Ad Shelo Nisou, que ses défauts étaient présents avant qu'il se marie, ou Ben Mishenisou Noldo, ou bien même si, après mariage, ils sont nés. Soit. En réalité, on parle, la Mishnah est venue me préciser, tu sais, tous les cas que je t'ai précisé, on parle, que ce soit dans le cas où quelqu'un, il n'avait pas cette maladie, il n'était pas lépreux avant de se marier, après il est devenu lépreux, la femme elle peut dire, je divorce, je ne peux plus rester, je ne peux plus supporter. Et même pire que ça, même s'il avait dit cette lèpre avant de se marier, une fois qu'il s'est marié, la femme se plaint, elle dit, je ne peux pas supporter. D'accord, ça, on a même rapporté dans la Mishnah précédente, il me semble qu'on avait parlé de ça aussi. Je ne sais plus, ça apporte un lagma, c'est sûr. Un membre en moins aussi, c'est la même chose. Dans tous ces cas de figure, Val Kolan Amar Rabbi Meir, et sur tous les cas de figure, il a dit Rabbi Meir, Afal Piché It Naïma, Yichole Shet Omar, Sevura Iti, Shani Yichole Le Kabel, Varchaveni Yichole Le Kabel. Rabbi Meir, on dit, dans tous ces cas de figure, on va parler d'un cas encore supplémentaire. Jusqu'à maintenant, on a parlé d'un cas où le défaut il est né ensuite, ou même s'il était là, que la femme elle l'a vu, qu'elle a cru qu'elle allait l'accepter. Mais même mieux que ça, même s'il a posé la condition en lui disant « Écoute-moi, tu veux te marier avec moi, tu trouves mes yeux, ils sont beaux, mais sache que moi je suis un tanneur, je pue, je sens mauvais. » Et c'est le truc, elle dit
pour tes yeux, je ferai tout. Et après, on se marie. Et après, 3 semaines, un mois, elle n'en peut plus. Après, je lui dis, mais on a posé la condition. Maintenant, tu me demandes que je te paye une ktouba. Je peux pas te payer une ktouba, moi. On a convenu que tu te maries avec Alda Atken. C'est les données de base. Moi, je suis un tanneur. C'est mon odeur. Et bien, Rabbi Meir te dit, si, même si ils ont fait la condition explicite, malgré tout, elle peut dire, Kasvoura, Kasvoura, je pensais que je pouvais accepter. Et puis finalement, et maintenant, je n'arrive plus à supporter cette odeur. Tandis que Chacham vont nous dire, non, mais Kabel est al-Kocha, si elle a fait la condition, elle est obligée d'accepter. Sauf un cas de figure, Chutzmi Moukeshrin. Le Moukeshrin, c'est le fameux, là qu'on avait vu, le lépreux. Parce que Mipne chez Memakatou. Parce que Memakatou, Manamek, Bessaou, c'est la gangrène, c'est je sais pas, c'est pas le même lèpre qu'à notre époque, je sais pas exactement c'est quoi comme maladie, qui faisait en fait que le corps s'affaiblissait tellement que si jamais, quand on fait entretenir des rapports, ça affaiblit le corps, ouais, ça use des cohortes, et du coup, chez lui, ça va faire qu'il va perdre des membres à la longue, il va falloir lui amputer des membres. Donc là, on va les forcer, même si elle veut accepter, elle veut rester avec lui, et lui veut rester comme ça, on va pas les laisser, on va le forcer à divorcer. Bah, la Mishnah continue maintenant avec deux petites histoires. Une histoire en fait, non. Maaseh Betzidon, il y avait une histoire avec, dans la ville de Tzidon, Beboursi Echad, qui avait un frère, une personne qui était un boursi, qui était un tanneur, Shemet, quand il est décédé. Vayalo Ach Boursi, il avait un frère qui était aussi, lui aussi tanneur. Ils avaient deux frères en fait, les deux frères tanneurs. Un, il était marié avec une femme, il est décédé sans enfant. Maintenant, la femme, elle a vécu, maintenant, imaginez, ça faisait 3 ans, ils étaient très heureux et très bien ensemble. Elle supportait l'odeur. Et ensuite, quoi, quand maintenant, son mari est décédé sans enfants, sans lui laisser d'enfants, elle a dû faire le hiboum avec, elle devait faire le hiboum avec le frère. Et là, elle a dit, non, oh. Mais Amour, Ramim, sur ça, ils ont rétorqué, Ramim, ils ont dit, attention, Yecholai chez Tomar, elle est en droit de prétendre que l'achicha iti achola, le kabel. Avec ton frère, ouais, j'étais prêt à accepter. Moi, il était tellement gentil avec ses beaux yeux que je pouvais en fait accepter la mauvaise odeur. Mais toi, désolé, pour toi, je peux pas recevoir, je peux pas encaisser cette odeur, j'arrive pas à la supporter, donc j'ai pas envie de me marier avec toi. On a le droit de refuser, c'est une ta'ana, c'est une affirmation qu'on va valider au Bedin, elle a une force de prétendre comme ça, d'accord? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, c'est là.